Et aujourd'hui, j'ai enfin reçu l'iPhone 13 Pro bleu 128 Go. Et dans cette vidéo, je vais faire la prise en main et l'unboxing de cet iPhone 13 Pro. Actuellement, c'est tout simplement l'iPhone 13 qui me filme avec l'arrière-plan que vous voyez, qui est magnifique, flouté. Et franchement, je trouve ça magnifique. Voilà, revenons sur notre caméra. Donc, avant de commencer la vidéo, si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Cette vidéo est juste une vidéo prise en main et unboxing de l'iPhone 13 Pro et une vidéo qui sortira dans quelques semaines où je parlerai plus approfondi sur cet iPhone, le test de l'iPhone 13 Pro. Procédons à l'ouverture de l'iPhone 13 Pro. Voici cet iPhone 13 Pro comme couleur bleu alpin que je trouve juste incroyable en 128 Go. J'ai maintenant remplacé l'iPhone 12 par l'iPhone 13 Pro bleu alpin 128 Go. J'ai changé tout simplement d'iPhone parce que l'iPhone 13 Pro avait des meilleures qualités en photo et surtout en vidéo. Comme vous avez pu constater à l'intro, que c'était juste magnifique d'avoir le bout flou que ma caméra ne peut pas le faire, sauf si je change d'objectif. Peut-être avoir ce mode de flou sur le téléphone et pas à chaque fois changer l'objectif, c'est quand même mieux. Comme vous avez pu voir, c'était une petite vidéo d'extrait de l'iPhone 13 Pro au début de la vidéo. C'est tout simplement la nouvelle fonctionnalité, le mode cinématique, filmé en 1080p, 30 images par seconde, seulement en 128 Go. Le stockage au-dessus, vous pourrez filmer en 60 fps. La qualité que vous avez vue au début, elle est pas trop dégueulasse, plutôt très bonne. Même le détourage, il est très bien fait. Et c'est un truc quand même qu'on peut pas trop reprocher à ce téléphone. Mais après, vous connaissez la chanson, le 120 Hz, les trois caméras, l'encoche un peu plus petit. Mais il n'y a pas de nouveauté rajoutée, par exemple, pourcentage de batterie à côté, il n'y a pas d'amélioration. Mais le point que j'insiste le plus, c'est tout simplement le ProMotion 120 Hz adaptatif. C'est tout simplement un truc génial qui rend le téléphone extrêmement fluide. Parce que déjà avec des anciens téléphones, c'est déjà très fluide, mais avec le 120 Hz, ça change, mais beaucoup. Surtout dans les applications de réseaux sociaux, lorsqu'on défile les pages ou des photos, c'est vraiment extrêmement fluide. Comme puissance, il est équipé du A15 Bionic qui remplace le A14 Bionic. La différence entre l'iPhone 12 et maintenant ne se verra pas énormément, mais ça se verra dans quelques années, plutôt dans 4-5 ans. Parce que quand on achète un iPhone, c'est plus pour la durée. Niveau photo et vidéo, tout simplement incroyable. Ce téléphone embarque 3 nouveaux objectifs plus grands. Et comme je viens de le recevoir, cet iPhone 13 Pro, je n'ai pas pu tout tester et pousser à fond ce téléphone. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo test qui arrivera dans quelques semaines. Et bien sûr, pour ne pas oublier cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et abonnez-vous à ma page Instagram, c'est là que la vidéo sera avertie. Le premier test que j'ai fait, c'est tout simplement le mode nuit. Elle est vraiment excellente, cette photo prise avec l'iPhone 13 Pro. Et le mode nuit qui est vraiment très bien par rapport au 12. Les endroits sombres ou noirs, on avait beaucoup bruit sur le 12 et maintenant sur le 13 Pro, il n'y a presque plus de bruit. Et ça, c'est tout simplement le capteur qui arrive à capter beaucoup plus de lumière. Il y a aussi un nouveau mode qui s'appelle mode macro qui vient d'arriver tout juste sur cet iPhone. Il est vraiment extraordinaire. J'ai pu faire quelques photos, plutôt une, mais ne vous inquiétez pas, lors du test, je ferai plusieurs photos et vidéos en mode macro qui rend les photos vraiment incroyables, comme l'œil, vraiment. Ensuite, il y a aussi le mode cinématique, comme je vous l'ai dit, que c'est nouveau. Tout d'abord, pour qui est destiné ces iPhone 13 Pro et Pro Max? Pour moi, je conseille déjà pour les personnes qui adorent faire la photo et vidéo, parce qu'il est vraiment top. Pour les personnes qui changent juste à changer d'iPhone, et pas juste pour voir l'appareil photo, enfin, qui prend des photos, mais pas beaucoup, je vous conseille tout simplement l'iPhone 13 ou le mini. Les deux sont excellents.
Voilà, si la vidéo t'a plu, va liker, commenter, partager et à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et aussi à vous abonner à ma page Instagram qui s'affiche maintenant. Parce que c'est là où mes vidéos sortiront en premier. Parce que c'est là où je préviendrai la sortie de mes vidéos. Et bien sûr, la vidéo test arrivera dans quelques semaines afin de bien tester cet iPhone à fond. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous retrouve à la prochaine. C'était Archie.